Yafon, du bon chat, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve avec grand plaisir pour te parler du manga Hunt, le jeu du loup-garou, Best Side, donc la saison 2. Donc, Hunt, le jeu du loup-garou est un manga là où on est sur la saison 2. J'ai déjà présenté la saison 1. Donc je te mettrai le lien en i et en barre d'infos bien entendu. En ce qui concerne Hunt le jeu du loup-garou, nous sommes sur une série qui est terminée en 3 tomes. Des éditions Soleil, c'est un seinen en genre suspense, horreur, gore et survival game. En ce qui concerne le manga, nous sommes sur une œuvre qui date de 2015 au Japon et de mars, si je ne me trompe pas du mois, mars 2018 en France pour son premier tome. Et il est sorti fin septembre 2018 en France. Donc présentation très rapide et en plus dans le mois d'Halloween, si ça c'est pas parfait. Nous sommes sur une œuvre qui est conseillée aux 14 ans et plus, et je dirais public averti car les scènes gore, même s'il n'y en a pas non plus des masses, sont quand même des scènes assez violentes au niveau des illustrations. Moi c'est pile ce que j'aime et c'est pile un bon bain de sang pour ma collection du Halloween Manga Challenge. Mais c'est vrai que voilà, c'est quand même pour public averti à mes yeux. En ce qui concerne mon avis sur les couvertures, je tiens à insister que je viens de récupérer à l'instant donc les couvertures du tome 1 pour pouvoir les comparer moi-même par rapport à ce qu'on a eu la dernière fois. Et déjà, en ce qui concerne que les illustrations, on voit qu'il y a une différence. Bon, à savoir qu'en fait dans la saison 1, la jeune fille gagne et donc on la suit aussi dans la saison 2. Donc c'est pour ça qu'on la revoit. Voilà, la couverture 2. Et en plus, il est resté aussi à peu près sur les mêmes tons de couleur pour les volumes. Son énorme est quand même vert là. C'est un peu vert. Et voilà. Et donc le tome 3, ben, ce side et l'autre. On est resté vraiment sur des choses assez similaires. Par contre, en ce qui concerne les arrières, je trouve qu'ils sont quand même assez différents. Parce que là, donc volume 3. Les volumes 2, ça donne ceci. Moi, je fais en face comme c'est plus simple pour moi. Voilà. Et les volumes 1. On n'a pas l'aspect vraiment de tache de sang qu'on avait partout sur le tome 1. Sur la saison 1, mais j'ai trouvé aussi qu'il y avait peut-être plus de morts visibles dans la saison 1 que dans la saison 2. La saison 2, j'ai eu l'impression que c'était un petit peu censuré. Voilà. Sinon, en ce qui concerne mon avis sur les couvertures en soi de juste de la saison 2, je les adore, je les trouve magnifiques, surtout que je trouve ça plus travaillé, plus joli en fait, ce rendu-là. Voilà, pour ces trois volumes, je trouve ça plus joli qu'en fait la saison 1. Donc, personnellement, j'ai adoré. J'ai adoré une fois de plus que l'auteur fasse des magnifiques page de chapitre, mais mon dieu, j'en suis dingue de ces pages de chapitre. Mais après, je me demande à force comment est l'âme du... Enfin, comment est la personne qui crée ce manga, parce que les dessins sont assez tourmentés et il y a des fois, ça n'a rien à voir à ce qu'on voit à l'intérieur du manga et tu te dis, waouh, quand même. Mais en tout cas, ce qui est déjà très agréable, c'est d'avoir une qualité de page de chapitre entre chaque chapitre qui sont badass au possible et je surkiffe et ça sera vraiment un réel plaisir parce que ça apporte un petit bonus à la lecture. En ce qui concerne donc les couvertures, je les surkiffe. Quand on enlève la jaquette, on se retrouve toujours avec la même illustration en noir et blanc, donc ça rien de très particulier. Donc par contre, en ce qui concerne le manga, quand on l'ouvre, on a tout simplement d'abord une sublime illustration. On a le sommaire et on commence le manga pour le volume 1. Mais dès le volume 2, ce que j'aime, c'est que l'auteur nous fait quand même un récap. Donc je vais quand même te montrer la page de chapitre, enfin la page d'entrée qui est divine. Voilà. Et on a vraiment ça à chaque fois, c'est génial quand même quand c'est des jeux assez compliqués, enfin des mangas assez compliqués. On a un récap des règles, on a un récap donc des personnages, des noms, même la classe parce que ce sont dans deux années, les premières années des deuxièmes années d'une même école. Et surtout aussi, on a donc une petite croix pour nous dire qui est mort dans le volume d'avant. Donc en ce qui concerne mon avis sur le tome 3, par contre, en ce qui concerne vraiment son apparence à l'intérieur, donc il y a une belle page hein, de dessin, mais je te la montrerai pas. C'est pas un spoil, mais je préfère éviter de te la voir. Après, on atterrit comme ça. Et le problème, c'est que... page d'histoire. On n'a pas du tout de récap, ni du jeu, ni même des personnages. Et ça, j'ai trouvé ça dommage. Alors... bien entendu, là je suis en train de juger une version française, hein. Je ne juge pas la version japonaise, je ne sais pas comment elle a été faite et si eux ils l'ont eu ou pas. Mais en prenant en compte que le tome 1 est sorti en mars et que le tome 3 est sorti fin septembre, on pourrait limite dire 1er octobre tellement que bah, c'était le 26 ou 27 septembre, il y a eu
au niveau du jour exact, je ne suis pas trop sûre si c'est 26 ou 27 septembre. Toujours est-il, peu importe. Je trouve ça dommage qu'on n'ait pas eu un récap parce que je pense qu'il y a eu quand même pas mal de temps entre la sortie du tome 2 et du tome 3. Et donc ça aurait été intéressant quand même d'avoir un récap au moins. Pas forcément des règles parce qu'au final, voilà, t'as l'impression qu'il n'y a pas de règles réellement dans le jeu. Mais au moins d'avoir un récap des personnages, ça oui c'est plutôt utile. Surtout que personnellement, autant la saison 1 j'avais réussi à retenir qui était qui au niveau des personnages et compagnie, autant celle-ci j'ai eu vraiment du mal. Et heureusement je m'étais fait, j'avais fait une photo de la page où ils se présentent tous dans le tome 1. Et que dès qu'il y avait un nom d'évoqué, j'allais voir mon portable et je regardais qui était la personne pour savoir, parce que j'arrivais pas à retenir du tout leur nom. Il n'y a que les 3 ou 4 personnages principaux vraiment j'ai retenu les noms, et les autres non, alors que dans la saison 1 j'avais retenu le nom de tout le monde, je savais qui était qui hein. Mais là non. On attaque bien entendu avec mon avis sur la qualité du dessin, donc je vais te l'afficher et je vais aussi te montrer tout simplement les premières pages du tome 1 de la saison 1, comme ça tu peux voir la différence au niveau de la qualité des dessins pour voir s'il y en a eu une ou pas. Moi je n'ai pas encore regardé, je le ferai au niveau du montage, enfin quand je filmerai les fast-tabs, mais voilà. En ce qui concerne donc mon avis sur le manga, donc déjà à savoir que tu ne peux pas te permettre réellement de commencer par Best Side sans avoir lu donc la saison 1, Hunt le jeu du loup-garou tout court. Il faut vraiment les lire les deux dans le bon ordre parce que sinon tu ne comprendras pas tout, tu ne comprendras pas comment elles sont arrivées là, etc. Donc dans la saison 1, on suivait les aventures d'une tablée et on a 2 personnes qui ont gagné. Point barre, j'irai pas plus loin. Même si tu t'en doutes, quand on voit la couverture en finale de la saison 2, on se devine qui a survécu. Mais on ne sait pas comment. Dans la fin de la saison 1, on voit très clairement que justement les gagnants vont relancer un jeu et vont participer à nouveau dans un nouveau jeu. Et donc là, on suit les aventures de ce jeu. Je t'avouerai qu'honnêtement, j'ai surkiffé la saison 1, mais la saison 2, j'ai été quand même un petit peu sur ma faim. Déjà parce que honnêtement, le premier tome, j'ai été complètement déçue. Honnêtement, je sais, je vais le dire plusieurs fois, mais la série n'aurait pas été en 3 tomes, mais en beaucoup plus de tomes, même 5. Je sais pas trop si j'aurais lu, parce que cette saison 1 m'avait tellement déçu, enfin ce volume 1 m'a tellement déçu. Peut-être si, jusqu'à 5 tomes, je pense que j'aurais fait l'effort, mais plus loin, non. J'aurais arrêté directement des tomes 1, j'aurais été arrêté à catastrophe. Le tome 2 était aussi plutôt mitigé au niveau de mon avis, mais le tome 3, je te le dis directement, a remonté un petit peu la pente et j'ai été plutôt satisfait. Mais honnêtement, il y a quand même un goût amer au fond de la gorge parce que je trouve que j'ai été énormément déçue par ce volume 3. Pas assez travaillé, pas assez abouti, beaucoup de facilité. Pour moi, c'est quand même quelque chose de très important, mais que la saison 1, j'ai réussi à retenir tous les personnages, qui étaient qui et tout ça, alors que la saison 2, j'ai même pas réussi à retenir quasiment... Ils sont 13, je crois, ou 14. On va regarder ça ensemble. Enfin, on va regarder ça carrément ensemble. Ils sont combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, ils sont bien 13. J'ai retenu 4 noms. Voilà, j'ai retenu 4 noms sur cette fichue saison 2, alors que sur la saison 1, j'avais tout retenu. Et mine de rien, c'est qu'il y a quelque chose qui a fait que j'ai pas retenu le personnage. C'était que je n'étais pas à fond dedans. Donc voilà. Après, en soi, je suis quand même contente de l'avoir lu. Parce que je suis contente de savoir donc qu'est-ce qui s'est passé dans cette saison 2. De savoir donc que vont devenir et qu'est-ce qui se passe après quand tu gagnes réellement le jeu. Est-ce que tu dois encore recommencer une partie? Ou est-ce que tu es réellement libéré comme ils te le promettent avec une somme d'argent? Et donc ça, l'avantage c'est qu'on a quand même eu nos réponses dans ce manga et dans ce volume, chose que j'avais vraiment très 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 peur que ça se bac. Alors le manga date de 2015 au Japon, on est quand même fin 2018, il n'y a pas eu apparemment de suite, donc là par contre à savoir qu'on est plus ou moins sur une fin libre. En fait c'est une fin qui permet à l'auteur soit de continuer si elle a envie, soit de s'arrêter là, et la fin est quand même tout à fait acceptable. Parce que j'ai trouvé la fin très intéressante et très sympa dans la façon dont elle a été tournée. Donc j'ai vraiment apprécié. Après j'ai trouvé que voilà, il y avait vraiment des choses qui étaient mitigées par rapport à cette saison 2. Donc vraiment j'ai été déçue par ça. Alors après honnêtement si tu as vraiment envie de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils deviennent et tout ça, lis-le. Après
Bah, il y a 3 tomes, donc ça se lit vite. Enfin, c'est pas que ça se lit vite en rapidité de lecture, mais c'est juste que c'est 3 tomes, donc ça prend pas très très longtemps sur notre planning de lecture et tout ça. Par exemple, pour moi qui ai vraiment des tonnes de mangas dans ma wishlist, c'est pas 3 tomes qui vont vraiment me foutre en l'air ma grande quantité de mangas à lire, tu vois. Je veux dire que ça serait une série plus longue, oui, ça me foutrait mon planning en l'air, oui, ça me ferait bien smooth. Ouais, pour rester poli, d'inclure cette série-là alors que vraiment c'est un avis mitigé, mais là elle est en 3 tomes. Je suis sûre que dans quelques temps tu peux très bien trouver les mangas en occasion parce qu'à mon avis, pas mal vont sûrement la revendre. Moi je la garde quand même parce que j'ai vraiment apprécié et je me dis qu'il y aura peut-être une suite un jour, donc je préfère la garder. Et puis je kiffe ce genre d'histoire de survival game, donc je pense que je me la relirai un jour ou l'autre. Mais voilà, à savoir que franchement pour moi cet avis est assez mitigé. Je vais quand même essayer de te faire une note, mais ça sera assez dur quand même pour moi de faire une note sur tout ce qui est développement, caractère, etc. Parce que je trouve que ça a été bien moins abouti que la saison 1. Et voilà. Mais dans l'ensemble, je suis quand même satisfaite de l'avoir lu. Après, je pense que la note à côté de moi aura parlé d'elle-même pour l'ensemble et donc tout le reste. Après, c'est un petit peu chiant de faire des notes et de faire surtout la note globale parce que si tu prends en compte la qualité du dessin, la qualité des couvertures qui à chaque fois monte bien au niveau la note, ça, voilà. Mais si tu prends bout à bout chaque note de chaque ligne, ça te permet quand même d'avoir une idée et un avis d'ensemble. Donc voilà, je vais arrêter là, je galère un petit peu. Si tu as moindre question, n'hésite pas du coup à me la mettre en commentaire, je me ferai un plaisir de te répondre et te guider pour savoir donc si tu dois l'acheter ou non et passer le cap ou non de l'achat. Cette vidéo sur le manga Hunt le joli loup-garou saison 2 est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que la vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la liker et la commenter. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires si tu connaissais ou pas la série. Est-ce que je t'ai quand même envie de la découvrir, même peut-être juste découvrir la saison 1 ou pas du tout. N'hésite pas à me dire si tu as lu le manga, ce que tu en as pensé, est-ce que tu as préféré la saison 1, est-ce que tu as préféré la saison 2, ce que tu en as pensé de l'ensemble. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo et je te retrouve donc très vite pour des vidéos en rapport avec la collection Halloween. Sur ce, à bientôt!